Bonjour à tous et merci aux organisateurs également pour l'invitation à ce festival des plantes comestibles. Alors en fait, moi, on m'avait dit que j'avais un quart d'heure pour développer la position du CDH, donc j'ai repris une série de diagnostics et de positions que l'on veut lire à moyen et à long terme. Et donc, je vais vous parler tout d'abord du diagnostic, et je pense effectivement que nous avons une responsabilité sociétale, et nous devons réussir la transition agricole et alimentaire qui va se présenter à nous dans les prochaines années. Alors, en ce qui concerne le diagnostic, il faut savoir que la Wallonie compte actuellement plus ou moins 11 000 fermes et 20 000 agriculteurs. Et qu'en 10 ans, un quart des fermes ont disparu et le nombre de personnes travaillant dans l'agriculture a été réduit de 20%, ce qui est énorme. Et donc, sur la même période, la surface agricole a été réduite d'environ 2%, et c'est donc la taille des exploitations qui a fortement progressé. En 10 ans, donc, la production agricole a continué à croître, mais parallèlement à euro constant, la valeur des productions a diminué, traduisant une baisse constante des prix agricoles. Les pratiques agricoles et culturelles ont fortement évolué, notamment via la mise en œuvre des principes de l'agriculture raisonnée, alors que dans les années 90, l'utilisation de produits phytosanitaires est restée constante en Wallonie, les quantités de substances actives utilisées sur les terres agricoles wallonnes ont été réduites de près de 40% entre 2000 et 2010, et ça, c'est important de le souligner, puisque les agriculteurs font également des efforts à ce niveau-là. Parallèlement, la Wallonie s'est affirmée comme une région pionnière d'Europe pour la production biologique, triplement des terres en bio, et donc près de une ferme sur 8 maintenant est reconvertie en ferme biologique. Alors, au-delà de la croissance de l'agriculture bio en Wallonie, beaucoup d'autres agriculteurs innovent et diversifient leurs activités ou pratiques et s'engagent pour une agriculture durable. Je vais prendre quelques exemples, via notamment l'intelligence artificielle, qui permet le contrôle des exploitations, notamment en matière d'analyse des échantillons du sol, afin de détecter, par exemple, les maladies. Le soutien également à la mise en place par la Wallonie de 27 projets de halles agricoles pour favoriser la transformation et la commercialisation des produits agricoles. Également l'émergence d'une nouvelle génération de coopératives agricoles dans le secteur du lait, de la viande ou encore du sucre. Et la vente directe à la ferme dans près de une ferme sur 10. Il y a également plus de 500 fermes actives dans le tourisme ou les activités de service comme les chambres d'hôtes, les gîtes, les campings et les fermes pédagogiques. Donc, on voit vraiment que l'agriculteur essaye de se diversifier pour le bien de tous. Et, par ailleurs, de nombreux organismes soutenus par la Wallonie et l'Europe accompagnent et conseillent ces démarches innovantes. Alors, quelle vision avons-nous pour l'agriculture de demain ? Je pense réellement que il doit y avoir une nouvelle alliance entre les agriculteurs et les consommateurs. Pour le CDH, la mutation que vit le monde agricole chez nous doit être soutenue et amplifiée. Elle implique une politique agricole volontariste, concertée avec les acteurs agricoles et soutenue par les consommateurs. Alors, cette mutation doit s'appuyer sur une triple alliance, comme je viens de le dire, celle des agricultrices et des agriculteurs qui s'engagent à produire avec moins d'intrants et à cibler une production de haute qualité. Ensuite, avec les familles qui font le choix de produits d'origine locale et qui optent pour la qualité. Et finalement, avec celle des pouvoirs publics qui accompagnent les agriculteurs dans la transition vers de nouvelles pratiques culturelles. Alors, accélérer cette mutation implique donc des engagements réciproques de ces trois acteurs. Les acteurs intermédiaires de la transformation et de la distribution s'adopteront à ces changements. Et une partie d'entre eux ont d'ailleurs déjà bien compris cette mutation et ont commencé à adapter leur gamme de produits et à revoir leurs liens avec les producteurs. Alors, quelles sont nos priorités ? On le sait,
La culture et l'élevage sont à la base de l'histoire de notre humanité. Ils ont façonné nos campagnes et permis aux sociétés humaines de se développer. Plus que jamais, l'agriculture est un enjeu fondamental pour le futur de notre planète et des êtres humains. Et le CDH s'engage à promouvoir une agriculture et un système alimentaire plus durable avec 4 priorités. Tout d'abord, offrir à chacun une alimentation saine et durable. Deuxièmement, assurer à tous les agricultrices et à tous les agriculteurs un revenu décent. Troisièmement, travailler ensemble pour préserver notre terre et nos paysages. Et quatrièmement, préparer la relève dans nos campagnes. Alors, comment mettre en œuvre ces 4 priorités ? Tout d'abord, offrir à chaque personne une alimentation saine et durable. Et donc, la fonction première de l'agriculture, on le sait, produire de quoi nourrir l'humanité. Après avoir longtemps été axé sur un objectif de quantité, cette mission s'oriente de plus en plus vers un objectif de qualité, lequel participe à l'amélioration de la santé de chaque personne. Alors, je vais reprendre maintenant quelques objectifs que nous avons. Nous voulons garantir l'autonomie alimentaire de l'Europe. On le sait, face à l'instabilité croissante des relations internationales, on l'a connu notamment avec l'embargo russe sur les fruits en Wallonie, ou encore les fluctuations fortes des prix sur les marchés mondiaux, l'agriculture doit être une question stratégique européenne. L'Union européenne doit garantir sur le long terme son autonomie alimentaire et donc ne peut mettre en compétition nos agriculteurs avec les productions d'autres parties du monde, où les conditions et les coûts de production sont moindres et qui viennent ruiner nos efforts et engagements environnementaux. C'est pour ça que le CDH demande la mise en place d'une exception agricole au niveau européen et en ce qui concerne les traités de libre-échange. Alors, concrètement, nous voulons aussi agir et promouvoir une alimentation saine et de qualité. En inscrivant le droit à une alimentation saine dans la Constitution, inclure dans tout accord commercial un chapitre ambitieux en matière de développement humain. Le respect du droit à l'alimentation doit y figurer. En Wallonie, mettre en œuvre la stratégie Manger demain et le référentiel alimentation durable, élaboré avec toute la partie prenante lors des assises de l'alimentation. C'est-à-dire que toutes les parties concernées ont été consultées, que ce soit les agriculteurs ou les consommateurs, et poursuivre cette démarche participative. Soutenir l'orientation des producteurs wallons vers des produits de très haute qualité, utilisant le minimum nécessaire de produits phytopharmaceutiques et d'antibiotiques. Réorienter la consommation alimentaire autour d'un objectif manger mieux et local, et montrer l'exemple dans le secteur public, notamment dans les cantines, en proposant des repas bio et à saveur locale. Investir dans l'éducation au goût et à la cuisine. Et dans ce cadre, accompagner et soutenir les clubs sportifs également, afin qu'ils puissent prévoir systématiquement des collations saines et durables pour nos jeunes. Poursuivre le processus de labellisation de nos produits afin de mettre en valeur les richesses gastronomiques de nos territoires. Mettre en place une stratégie globale visant la réduction du surpoids et de la surconsommation et de l'obésité. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très important. Elle doit s'appuyer sur 3 leviers : l'encouragement à une alimentation saine, une bonne communication, et enfin, une fiscalité qui prend en compte les conséquences d'une mauvaise alimentation sur notre santé. Promouvoir également les frigos solidaires et les récupérations des invendus. Mais également, comme Mme Laruelle l'a dit tout à l'heure, être solidaire avec les pays du Sud en soutenant le commerce équitable et en soutenant les initiatives de coopération et d'échange de savoir entre nos agriculteurs et ceux du Sud. Alors, le deuxième objectif que nous avions, c'est assurer à tous et à toutes, donc au niveau des agriculteurs, un revenu décent. On ne peut en effet envisager la pérennité des exploitations agricoles sans garantir un revenu décent à ceux qui vivent de la terre. Et pour cela, il faut garantir une politique agricole européenne forte, avec une politique agricole commune, donc la PAC,
dotée d'un cadre financier pluriannuel suffisant et évitant toute renationalisation. Renforcer les filets de sécurité par une réserve budgétaire européenne suffisante pour agir sur l'offre en cas de chute de prix, des prix. Par un fonds des calamités agricoles alimentées par des moyens suffisants permettant de réagir en cas de crise naturelle et assurer des prix agricoles justes, en bannissant les pratiques commerciales déloyales. Renforcer également la coopération entre producteurs et rapprocher les producteurs des consommateurs en assurant le développement des circuits courts en adaptant les normes AFSCA notamment. Alors, une de nos propositions phares qu'on aura pour les prochaines élections, c'est permettre que dans les grandes villes wallonnes et à Bruxelles, la création de halles fermières qui permettront de proposer chaque jour des produits frais et de qualité issus des circuits courts et poursuivre la politique de création des halls relais agricoles. Donc ça, c'est autre chose. Et garantir le maintien d'abattoirs de proximité et développer des abattoirs mobiles pour maintenir et renforcer des circuits économiques courts. Alors, le troisième objectif dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'était travailler ensemble pour préserver notre terre et nos paysages. Nous devons tendre vers une agriculture à la pointe de l'enjeu climatique. Nous devons poursuivre le développement de l'agriculture biologique avec un objectif de 25% de la surface agricole utile en 2030 et une part de marché des produits bio tendant vers les 10%. Protéger également notre patrimoine génétique en maintenant le refus de cultures OGM sur notre territoire. Appliquer de façon stricte le principe de précaution en interdisant l'importation en Europe de produits OGM, tant pour l'alimentation humaine qu'animale. Et finalement, développer les alternatives aux produits phytopharmaceutiques pour préserver la biodiversité et la qualité de nos sols et de nos eaux. Réduire tout d'abord les seuils des produits phytosanitaires autorisés à l'échelle européenne et interdire donc l'importation de produits alimentaires extra-européens ne respectant pas ces normes. Favoriser le développement du conseil agricole indépendant des firmes phytopharmaceutiques qui permettent aux agriculteurs de réaliser des choix techniques en toute connaissance de cause. Stimuler les pratiques agricoles raisonnées pour renforcer la durabilité de notre agriculture. Accompagner les agriculteurs dans la transition vers le zéro phytosanitaire comme un cap vers une Wallonie sans pesticides. Et comme vous le savez sans doute, grâce aux actions menées par la région, sous l'impulsion des ministres CDH, le territoire wallon compte désormais 55% de surface sans pesticides. L'objectif est d'atteindre 80% du territoire en 2030 et 100% au plus tard en 2050. Interdire également les herbicides au plus tard en 2030. Élargir les bons tampons sans pesticides entre les zones agricoles et les habitations, les établissements scolaires et autres lieux accueillant des enfants. Soutenir la recherche afin de développer des alternatives aux produits phytosanitaires utilisés par les agriculteurs. Et faire du bien-être animal une valeur ajoutée de l'élevage wallon. Alors, je terminerai par le quatrième et dernier point, à savoir préparer la relève dans nos campagnes en facilitant l'installation des jeunes agriculteurs et en maintenant une enveloppe européenne au niveau maximum en faveur de l'installation des jeunes agriculteurs. Renforcer les services de conseil à destination de ces jeunes agriculteurs afin de les accompagner lors des reprises et de les soulager des démarches administratives. Promouvoir évidemment les nouvelles formes d'agriculture, faciliter l'accès à la terre et repenser l'enseignement agricole. Voilà, c'était la trajectoire que je voulais vous présenter en partant donc du diagnostic et des lignes d'horizon que le CDH veut se fixer à moyen terme et à long terme.